Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Marc, chapitre 16, verset 17. Ah, ce fameux don de chasser les démons. Ce don tellement convoité dans certains milieux religieux avec tout ce lot de mystères et d'émerveillement que cela procure. S'agit-il d'exorciser le mal par des moyens spectaculaires et de braver le danger En tous les cas, Jésus parle au même niveau des démons et des maladies. Lui ne met pas un don supérieur de guérison à l'un plus qu'à l'autre, il ne met pas non plus une action plus dangereuse pour l'un et moins pour l'autre, le mal s'exprime par toutes sortes de maladies, qu'elles soient mentales, corporelles, et c'est tout. Y voir des démons plus forts qui nécessitent un protocole plus long et plus contraignant, ce n'est que de la poudre aux yeux, qui sert dans la majorité des cas à impressionner l'auditoire, pour que les dons de celui qui exerce l'exorcisme soient magnifiés. Alors, qu'est-ce qu'une personne liée par des démons Il y a bien plusieurs niveaux, c'est vrai, mais ce n'est pas des niveaux d'envoûtement, ce sont des niveaux d'enchaînement. Ce sont les chaînes qui lient la personne, et ce sont ces mêmes chaînes qui doivent être brisées. Alors, on va parler du premier niveau. Et c'est un exemple que je prends parce qu'il est fréquent. Le premier niveau, c'est par exemple avoir des envies ou des pulsions violentes envers une personne. Alors ce niveau est juste une simple tentation, rien d'autre. On s'énerve après quelqu'un et on rêve de lui faire du mal. Et ces pensées peuvent s'évaporer et ne plus avoir de conséquences si, attention, si on ne se couche pas sur la colère et si on ne remine pas sans cesse tout le tort qu'elle nous a causé. Ensuite, le deuxième niveau, il nous montre un lien avec un ou plusieurs démons c'est celui de passer à l'acte, d'agir violemment sur la personne visée. Mais dans la plupart des cas, ce deuxième niveau n'est pas atteint. Pourquoi Eh bien parce que la violence envers l'autre est un délit dans nos sociétés. Et agir en s'en prenant à l'intégrité physique et même morale de son prochain, ça entraîne déjà un trouble moral, d'abord. D'abord un trouble moral. Puis, ça entraîne une infraction juridique. Parce que selon les blessures causées, l'agresseur sera puni d'amende et d'emprisonnement. Alors, ce deuxième niveau, il va être franchi, mais différemment, d'une autre manière. Cette violence contenue va s'exercer, mais indirectement par celui qui voulait l'exercer. Il va être violent, mais envers lui-même. Et cet acte s'explique par ce que la psychologie appelle l'inhibition. L'acte ne pouvant se faire sur l'autre, eh bien, il est inhibé. Et la violence, et la pulsion violente se tourne alors vers celui qui a des envies violentes. Et son corps ressent alors le mal. Le mal qu'il voulait faire à autrui, il le ressent. Il a mal à l'estomac, par exemple, ou il est pris de vertiges, de palpitations, de vomissements, de perte de mémoire ou de connaissances. Il n'a plus faim, il tombe dans l'anorexie, ou encore il se met à boire de l'alcool, ou il se met à prendre des anxiolytiques. Pour lui permettre de retrouver son calme et sa paix. Toujours, c'était le deuxième stade. Maintenant, nous passons au troisième stade. Et c'est le stade compulsif ou obsessionnel. Et à ce stade, l'enchaînement est terrible. Les liens sont très serrés, les mauvaises pensées sont devenues récurrentes et habituelles. Elles hantent la personne de jour comme de nuit. La personne est obsédée par l'injustice qu'elle pense vivre. Elle tourne et retourne sans cesse dans sa tête des pensées négatives. Elle se sent constamment lésée et une irritation violente vient la perturber sans même qu'elle y pense ou qu'elle cherche à y penser. Et cette pensée devient compulsive. Compulsive parce qu'elle échappe au contrôle de la personne. Compulsive parce que contrôler ses émotions devient alors impossible. Eh bien, à ce niveau, l'emprise des démons est très active. La destruction de la personne est en marche. Et nous allons prendre un exemple concret et de, de ces démons, notamment avec la personne de Saül, du roi d'Israël Saül, qui était attaqué par des démons. Au départ, Saül jalousait David. Il jalousait ses victoires, son assurance et bien sûr sa foi en Dieu. Saül voyait en David un concurrent au trône. Puis cette tentation de jalousie se transforma en haine violente. Saül était obsédé par David, il en voulait à sa vie de manière compulsive, il marchait chaque jour, les armes à la main, prêt à le débusquer pour l'exterminer. Il n'avait plus qu'une seule idée, assouvir cette pulsion de meurtre envers David. Et il y a mis tous les moyens, toutes ses forces, allant même jusqu'à consulter ce qu'il avait chassé d'Israël, la divination. Alors, que faire pour chasser ce démon dans le cas de Saül, comme dans le cas de beaucoup, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire car les démons leur permettent une élévation sociale ou humaine. Les démons participent activement à la réussite de la personne. Et Jésus le dit bien. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc se corrompre pour réussir, eh bien ça amène à s'asseoir à la table des démons. Mais si une personne aspire et réclame une délivrance, alors il a quelque chose à faire. Suffit-il de prier dans le nom de Jésus pour que le possédé n'ait plus cette envie obsessionnelle de meurtre ou de violence De nos jours, les prières de délivrance s'accumulent dans les assemblées. Et elles s'accumulent sans qu'elles soient pour autant efficaces. Pourquoi Parce que ces prières s'occupent de chasser ce qui est obsessionnel et compulsif. Alors oui, c'est vrai. Le démon est de cette nature. Il rend le trouble compulsif et obsessionnel. Mais ces prières chassent-elles pour autant ce qui tourmente la personne Pas du tout. Prier pour que la personne n'ait plus de malaise, qu'elle arrête d'être tourmentée ou qu'elle ne prenne plus de drogue ne chasse pas le démon. Vous aurez beau dire, démon sort de ce corps au nom de Jésus, eh bien, le démon partira un instant, mais il reviendra. Et il reviendra... Pour la simple raison que la cause est toujours vivante. La personne se croira guérie parce que les symptômes obsessionnels et convulsifs auront disparu et que le trouble n'est plus là, mais le trouble reviendra et souvent différemment. Alors prenons cette maladie mentale très connue de nos jours, appelée par les médecins euh, de trois lettres TOC. TOC, c'est-à-dire T comme trouble, O comme obsessionnel et C comme compulsif. Eh bien cette maladie est la même pour tous au niveau des deux dernières lettres, obsessionnelle et compulsive. Mais en ce qui concerne le trouble, bah, le trouble prend mille formes possibles. Cela va de la maniaquerie, comme se laver les mains dix fois par jour, en passant par l'utilisation abusive de drogues pour diminuer l'apparition des obsessions, jusqu'à la folie avec des idées fixes de la perte de lucidité et même de la perte du contrôle mental. Là aussi, le trouble reste et restera encore mystérieux quant à sa cause. Alors revenons à notre exemple. Pourquoi la personne a-t-elle des malaises fréquents Et la réponse, c'est parce qu'elle a une aversion prononcée envers une tierce personne. Voilà la raison de vivre du démon. Le cœur de la personne s'est emmuré par une haine compulsive envers l'autre. Que doit-elle faire Arrêter de combattre et pardonner à cette personne, pardonner de tout son cœur. Comme Jésus-Christ crucifié, abandonné de tous, a pardonné à ses bourreaux et à ses moqueurs cruels, vous voyez, la prière de délivrance, elle doit commencer avant tout par ce que dit l'apôtre Jacques. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéri. C'est Jacques chapitre 5, verset 16. Dans notre cas, la personne doit reconnaître que sa haine, son aversion pour l'autre est un péché. Et le dire, bah, ça ne suffit pas. Elle doit le confesser. C'est-à-dire qu'elle doit rebrousser chemin. Elle doit pardonner à celle qui lui a causé du tort. Et si c'est possible elle doit lui communiquer son pardon. À ce moment-là, la prière des croyants pourra être efficace. Or, le pardon, arrivé à un stade d'endurcissement, est difficile, très difficilement possible. Alors, si la personne ne parvient pas profondément à pardonner, mais que faire Eh bien, cette personne doit jeûner. Et pourquoi jeûner Parce que le jeûne va permettre que l'influence de sa chair diminue qu'elle ait de moins en moins d'emprise sur elle, et pour finir, qu'elle puisse laisser grandir l'esprit du Seigneur en elle, qui la convaincra qu'elle pèche. Dans tous les cas, il est primordial de prendre du temps pour parler avec le malade qui est tourmenté, afin qu'il puisse confesser son péché. Ce n'est pas le nombre de chaînes, <coughs> ce n'est pas la dureté d'emprisonnement par ces chaînes qui compte. Parler de ses différentes souffrances, parler de sa maladie, de ses multiples addictions, ne mettra jamais le malade sur la voie de la guérison et de la vérité. Mais qu'elle parle de ce qui hante son cœur, ça, c'est le plus important. Chasser les démons, donc, ça nécessite trois réconciliations. D'abord, se réconcilier avec Dieu, avec Dieu, pardon. Puis, se réconcilier avec soi-même. Et enfin, se réconcilier avec la tierce personne. Les confessions et les prières doivent aller dans ce sens. Se réconcilier avec Dieu, c'est reconnaître que sans Lui, il n'y a pas de délivrance possible, puisqu'au début, c'est Lui qui met la lumière sur le mal, et à la fin, c'est Lui qui purifie. Se réconcilier avec soi-même signifie arrêter de se faire du mal, arrêter de se punir, arrêter de s'en vouloir de son état et de l'injustice qu'a causé l'autre. Se pardonner à soi-même signifie que nous sommes trop faibles, trop orgueilleux pour chercher ce qui est juste par, par nous-mêmes. Nous devons arrêter de nous combattre ainsi, car c'est un faux combat. Nous n'avons pas à nous châtier parce que l'objet de notre souffrance reste encore en vie. Reconnaissez que vous n'avez aucune raison à vous en vouloir de vous être rendu esclave de vos fautes. Ça, c'est le pouvoir de la chair qui, étant faible et fourbe, vous a entraîné dans ces turpitudes. Enfin, se réconcilier avec l'autre, qui nous a blessés et meurtri eh bien, c'est reconnaître qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est lui-même sous une emprise mauvaise, ou reconnaître qu'il avait raison, qu'il avait raison d'agir comme il l'a fait, et qu'au bout du compte, de toute manière, la vengeance et la justice, ça appartient à Dieu, à Dieu le Père. Alors, face à cette manière de chasser les démons, on peut me rétorquer que, mais jamais, Jésus n'a parlé de cela dans les évangiles, que sa manière de faire était beaucoup plus expéditive, il voyait une personne possédée, il chassait les démons et il poursuivait son chemin. Bien, je répondrai d'abord que tout n'a pas été dit dans les évangiles. Et pour illustrer ce propos, je pose juste une question. Que voulait dire Jésus par force et pouvoir ou qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il s'est assemblé avec les douze Alors je vous lis le contexte. Hein. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Par conséquent, tout n'a pas été dit, pour plusieurs raisons. La plus, fla la plus flagrante, c'est de laisser l'interprétation possible. Chacun doit penser et faire en son âme et conscience. Derrière les mots force, pouvoir et puissance, eh bien, on doit agir en son âme et conscience. Par exemple, quand on chasse les démons pour impressionner l'autre. Ou quand on chasse les démons par un intérêt trompeur. Ce mal doit s'exprimer aussi. Alors, comment chasser les démons Eh bien, Christ peut nous l'insuffler par son esprit. Pourquoi avoir besoin d'une lettre pour nous l'expliquer Moi, je préfère croire à cette possibilité qui nous rend libres en Jésus-Christ. Pour ceux qui s'attendent à une loi, des théologiens leur trouveront une loi sur la délivrance. Et la loi, attention, elle nous met sous l'emprise de démons en nous rendant durs de cœur. Car des démons peuvent-ils chasser d'autres démons Pourtant, c'est bien le cas en général. Pour Christ, sa volonté, je le crois, c'est de nous présenter un cadre incomplet. J'ai bien dit un cadre incomplet. Pour nous laisser libre choix avec son esprit afin d'agir selon les circonstances et les personnes. Le cadre qu'il nous présente, c'est en premier celui-ci. Que celui qui veut être délivré s'approche de Dieu. Qu'il prenne lui-même les devants pour aller vers des croyants. Deuxièmement, le cadre insiste sur la communion. Tout se, fera, tout se fera à partir de plusieurs, à partir de là où deux ou trois sont en accord avec Dieu pour délivrer son prochain. Les disciples étaient envoyés par deux, dans l'intention, justement, que la gloire ne retombe pas sur une personne en particulier. Nous devons éviter de prier seul pour une délivrance. Pourquoi? Parce que c'est se garder soi-même et c'est garder les autres aussi de l'idolâtrie. Enfin, troisièmement, le cadre insiste sur la prière, le jeûne, la confession des péchés. Alors mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce message et qui êtes troublés, sachez que celui qui s'abaisse sera toujours élevé par notre Seigneur. Alors ne cherchez pas un acte magique qui ne fera que vous troubler encore plus, mais cherchez la vérité qui elle seule vous rendra libre. Amen.